Et salut tout le monde, c'est Totei, on se retrouve pour une vidéo sur Hearthstone. Donc on va faire un BO5 contre un gros noob. Il s'appelle Ion, il est rang 16. Vous voyez, rang 16 c'est vraiment un rang de merde. Voilà. Après il y a des gens qui sont en un rang moins bien que lui, mais bon. Alors je vais prendre du Vidigo, mais je sais pas quel deck je vais prendre déjà. Je vais prendre peut-être le zoo. Alors, lui, il va ouvrir en zoo. Non, on va prendre un mage. Hop. Ok, il a pas choisi. Non, en fait, je vais prendre shaman. Refait. Quoi, refait? Bah, go. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Et, vous voyez. Vous voyez, ce Ion est vraiment un gros loup. Allez. Donc, il ne sait pas. Ah, c'est bon. C'est-à-dire, il ne sait pas choisir un deck. Vous voyez que j'ai 100 gold. Et d'ailleurs, attends. Attendez. Oh, voilà. Bon, ok. En cadeau, à la fin de ce BO5, on va se faire une petite ouverture de booster. Oh, tiens, un chaman. Je vais dire que c'est un chaman. Alors, en neutron, bah voilà, elle est parfaite la main. Là, on peut gérer tout ce qui vient. Ouais, bah. Non, Gogot, moi je prenais le zoo au premier. Parce que le zoo c'est cool. En fait, il y a des gens qui sont pour le zoo, il y a des gens qui sont pour le chasseur. Moi, je suis pour le zoo, parce que le chasseur, j'ai joué chasseur, ouais. Ça monte bien, mais je trouve que, ben, en fait, c'est vraiment de la merde. Je veux pas dire que ceux qui jouent chasseur, ils réfléchissent pas, mais franchement, les chasseurs qui jouent aggro, enfin, c'est des gros bâtards, quoi. Bref. Donc vous voyez le gros noob en face de moi qui met 3 ans à jouer. Je me demande. Ok. D'accord. Précision très importante. Je vais dire merci. Ah le bâtard. Ok. Donc là, franchement, il a eu un start de fou. Bah lui aussi. On va même lui faire ça. Ouais, il a bien vu. Bon. Salutations. Et c'est un bonjour parce que j'ai une sortie de... Ok. Croc croc, ouais. Bon, sinon, pour ce qui est des vidéos. Alors, vous voyez, vous allez voir qu'en ce moment, j'ai plein de vidéos à sortir. Bah tiens, niveau 3 contre niveau 3. Il y a plein de vidéos qui vont sortir. Allez, on va extraire le niveau 3. Non, pardon. alors, il y a Kid Lesbuki pour saison 4. Il y a Hachi Manga de saison 2. Il y a bah, cette série là sur le BO5. Enfin, je sais pas si je vais faire une ou deux vidéos, je sais pas, je vais voir. Et il y a. Oh là, on a la merde par contre. Et je vais peut-être faire une série sur les hardcore Lush Speed. Alors, si vous me dites ça, c'est qu'il a un Orion en main. Parce que sinon, il ne le dirait pas. Que faire? Parce que franchement, on s'en bat les couilles. Du coup, alors peut-être un peu de foudre, mais c'est chaud parce que même si ça fait 3 là, on doit trade et c'est la merde. Peut-être avec ça, mais c'est pareil, c'est pas très fort. Bon, bah, on va juste totem. Son âme soin, c'est bien. Bon, mec. On va taper. Ouais, on va taper. Comme ça, s'il trade, c'est le mieux pour nous. Alors, pas le soin, s'il te plaît. Merci. Ok. Oh, la tempête, là. Oh, en plus, c'est... Ah, bon. Allez, tempête. Allez, 3 à 3. Ah, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Tu peux trade ça au prochain tour. Bon, par contre, le défaut d'avoir fait tempête à ce tour-là, c'est qu'on peut pas faire élémentaire au prochain tour. Mais c'est pas grave, après,
c'est pas très important. Donc ouais, le deck que je joue là, c'est le deck de que Olisan et Archa avaient présenté dans le masterclass de je sais plus trop quand, c'était pendant les vacances. Alors, ah oh, parfait. Ok. Donc là, on devrait pas mener bien. Parce que là, s'il sort un gros truc, on peut faire 6, on peut faire 9 de dégâts là carrément avec tout ce qu'on a en main. D'accord. Donc là, je pense qu'on va croc-croc et ça. Quoique. Là, de toute façon, on va devoir taper. Donc, ouais. Bon, ça, après, c'est un petit peu. C'est pas top parce que on soigne de 8 pour se reprendre 6 dégâts, mais au moins on a une 5-5 quoi. Ouais, les éléments ils me vont. Ah, mais par contre, il a toujours son Orion. C'est dit qu'il a un Orion, ce qu'il a un Orion. Est-ce qu'il dit ça pour pas que. Ok. Ouais, il fait genre. C'est le deuxième là en main. Ouais, s'il a dit qu'il l'avait, c'était pour que. Pourquoi je crois qu'il l'est pas. Donc là on est vraiment bien. On va lui dire désolé aussi. Bon, alors là on peut lui virer tout ce qui passe avec un élément zère. Et il m'en fait. Qu'est-ce qui se passe là, j'ai des petits lags, peut-être qu'on peut le live. Oh, Harrison SVP. Oh non, il a Harrison. Enfin, il l'a dans son deck. Moi je l'ai pas Harrison dans mon deck, enfin dans ma collection. J'aimerais bien l'avoir, vous savez. Il est cool quand même. Donc là, comme prévu, hop. On va taper ce qui revient avec l'arme et avec. On va taper à 0. Ça dépend ce qui revient. Oh, dommage. C'est vraiment. C'est la meilleure carte qu'il peut avoir. Même Milou, c'est moins bien parce que. Là, ça fait une 4-3. Que quand elle meurt, elle invoque une 1-1. Que quand elle meurt. Elle se fait piocher une carte. C'est vachement fort. Imaginez la 6-4. La 6-4 qui invoque la 4-3 qui invoque une carte à 2. Qui invoque le mage de sang. Là ça fait vraiment machin qui invoque, machin qui invoque, machin. Si tu tempêtes, je capitule. Eh ben tempête, non. Quitte-moi. Tant pis, tempête. tempête. LOL. Bref, alors ce chaman, il a pas beaucoup de pioches, mais il faut économiser ses cartes en fait. Après lui, le chien, c'est un chaman qui pue la merde, parce que de toute façon, Ayom, c'est un gros nul. Mais après, on lui en veut pas, hein, c'est pas de sa faute. Bon. Mais là, il a aucune carte de pioche. Franchement, c'est lamentable. Alors, ok, une provocation, un truc de merde. Mais franchement, les micro-machines dans le chaman, c'est vraiment. Franchement, là, j'arrête de troller Ayam, mais là, je dis que. C'est vraiment de la merde. Parce que ça, dans le chaman, c'est. Ça apporte rien. Ça te fait pas bouger de cartes, ça te fait pas de tempo, ça te fait pas de cartes advantage. Du coup, dans le chaman, c'est vraiment nul. Donc là, soit on tac-tac et on fait tempête, soit on fait tempête et puis tac-tac. Bah c'est très bien le même en fait. Ça revient exactement au même. Ou alors est-ce qu'on tempête... Non, on va pas tempête. Oh quoi que si. Si quand même. Attends. Parce que là sinon il peut me trade avec sa 3-2 et sa... Ah, c'est la merde. J'aurais pu jouer le totem langue de feu, mais bon, pas très. Franchement, c'est pas important les dégâts. Parce que lui, il a toujours pas joué ses tempêtes. Et puis, si on se prend une tempête avec le totem en plus, s'il fait Drake tempête, c'est la merde. Enfin, c'est la merde, oui, non, après, il faut que ça tape à 4 là, et puis voilà. Mais bon, voilà, autant pas jouer ça. Parce que surtout que ça, avec. Si ça se fait élémentaire ou. Voilà, ou éclair, ou en croc-croc, c'est vraiment. D'accord, donc là il abandonne. Bien joué, donc ça fait 1-0 pour moi. Hop, voilà.
Alors, 1-0. Donc, c'est le premier traducteur qui gagne. Ouais, donc, vous voyez, bon, le nom du deck, c'est Masterclass. Là, faut que je vous montre que je suis passé niveau 60. Avec ce, avec le guerrier, avec le mage, et avec le démoniste. Et toujours avec le modeur. Donc, ça me fait 4 classes niveau 60, je suis vraiment content. Le chaman niveau 45, je joue pas trop. Même si j'adore le chaman, il est compliqué à jouer. Enfin, dans la méta, il est pas terrible. Bah, ça, c'est un deck contre les chasseurs. Mais je joue pas souvent, parce qu'en fait, en ce moment, il n'y a pas trop de chasseurs, il y a plutôt des zoos. C'est un ramp qui est pas trop mal, mais bon, voilà. Je joue de temps en temps. Le zoo, toujours aussi bien. Le chasseur, bah en fait, là, c'est les deux classes que je joue moins. Enfin, c'est les deux classes que je joue moins. Pourtant, il y en a une que je déteste et une que j'adore. C'est con. Parce qu'en fait, avec le chasseur, vu que je fais plus de games, parce que genre chasseur, quand on joue chasseur, on joue 10 parties, pendant qu'en chaman, on en joue 2, quoi. Donc ça va vite. Ah, il a l'air d'être prêt. Sinon, j'ai un. Donc, c'est un deck contrôle, deck gré contrôle. Pour les noms des decks, franchement. Ta gueule. Et joue. Bâtard. On a vu ce qu'il a dit. Il n'a pas cours demain. À mon avis, c'est du mytho, mais. Mais quand même, ça. Si c'est vrai, c'est un gros bâtard. Mais. On va lui demander pourquoi, hein. Donc voilà, le gros gnome qui est un démoniste doré. Franchement, il met ses classes dorées dans les mains de n'importe qui maintenant. De nos jours. C'est vraiment. Oh, donc j'ai viré le ex parce que de toute façon. Ouais c'est ça. Ouais. Parce que il joue Zo, lui, il joue pas en bloc. Voilà. Donc, ta gueule, il joue, s'il te plaît. Merci. Bon, allez, je m'en bats les couilles, tes profs qui sont pas là, allez. Ça fait un peu rageux de faire ça, mais. Mais j'en ai vraiment. J'en bats les couilles, quoi. Franchement, je suis là pour faire une vue de Hearthstone, je suis pas là pour qu'il me fasse rager avec ses profs de bâtard qui sont pas là. Il rejoue un diabolotin des flammes. Voilà. Je savais. Et là, il est bien deg. Bon, là, dommage qu'on n'a pas Orion et Armcroc comme tout à l'heure. Parce que là, Armcroc sur le diabolotin des flammes, c'est vraiment. C'est vraiment. Donc là, par contre, c'est chiant parce qu'il a la pièce. Il peut faire Fossoyeur. Pièce rampante. Ça c'est pas gentil. On va dire que c'est qu'un un apport. Important. Ce mot ne veut rien dire. Parfait. Pièce. Gnome les points. Allez, gnome les points, s'il te plaît. Ah, pourquoi cet appel? Je sais pas très bien. Ouais, on va se faire rager, on va faire genre qu'on a top deck. Allez, 3 là et 2 là, s'il te plaît. Merci! Oui, merci. Je vous remercie. Comme ça, là, si on top deck un Orion, on est bien. C'était une erreur, votre âme va souffrir. C'était une erreur! Comme il dit le démoniste. Et il a plus rien, il va faire remporter tout. Oh, je n'ai rien, encore pire. Encore pire pour lui. Hein. Pour moi, ça me va très bien. Ok. Bon, bah, ouais. Merde. Okay. J'ai menacé sans faire exprès. Il dit désolé. Parce que... Non, mais c'est bon, j'ai pas fait exprès. Excuse-moi. Je t'ai dit désolé. Que ta gueule, maintenant. Merci. Merci. On va lui dire ta gueule. On va lui dire salutations. Donc là, franchement, le play, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est une tempête de foudre. Donc là, on va faire tempête de... Ah, bah non. Lol. Comment il sait?
Alors, on peut faire déchiqueteur piloté et totem. Et, mais avec ça, on peut quoi? On trade là. Et ce trade là, il va. En plus, il peut booster ses œufs, c'est vraiment chiant. Sinon, on peut faire quoi d'autre? On peut faire. Marteau du destin, tuer ça. Marteau du destin, tuer ça. Ça. Non. Tuer ça. Mettre ça à un point de vie. Trade ça. Tuer les deux golems. Ça fait 2-2-1 et 2-0-2. Au prochain tour, on aura 5 de mana. On pourra totem tempête. Tuer les 2-0-2. Wow, on va dire que on va faire ça. Guidez-moi. Je fais ça parce que j'ai du heal dans le deck, sinon je l'aurais pas fait. Mais c'est vraiment une mauvaise situation. Parce que là c'est sûr qu'il a de quoi activer ses jeux. Ouh, par contre là la tempête elle fait du bien. Ouais. On pourrait même, ça dépend de ce... dégager ça, s'il te plaît. Non. Donc on va juste faire ça. Et on pourrait, en fait, on pourrait trade un des golems. Enfin, un de ça. Parce que... En fait, ça revient même. En fait, c'est pareil, c'est juste que... Elle est endommagée. Bon. Il me faut du heal, là. Il me faut le robot de Fomantis, sinon je suis dans la merde. Je suis déjà dans la merde. Là, il lui faut 4 dégâts. Il faut une pièce 5 à blanc, un feu d'âme, un garde funeste pour le tuer. Un ou alpha, c'est dans la merde. Oh, de toute façon, voilà, une puissance de tout. Bien joué. Ok, je vais. Oh, bah d'accord, il avait les 2 boîtes. Bah oui, il avait les 3, bah oui. Non. Ayom, BM, 3 sur 2. Donc 1-1. 1-1. Donc il nous dit noble parce qu'il rage de... Il rage quoi, c'est tout. Alors, contre un zoo, on va jouer... Organ. Alors lui joue Organ. C'est pas du tout le meilleur matchup, j'aurais dû jouer Druid Rank. Mais j'ai pas envie en fait, j'aurais dû jouer le Rank. Puis il va pas savoir que c'est un Organ, il va se dire ouais, il a pris son guerrier contrôle. Oh putain. Donc là en fait c'est encore mieux qu'ils disent que c'est un guerrier contrôle. Enfin que c'est un guerrier. Parce que lui il pense que c'est le guerrier contrôle. Donc on va tout gérer. En fait là, on va faire ça. On peut garder ça et au tour 6, on met 3, 4, 5, 6, 7, 8, on met 16 dégâts au tour 6. Mais on va pas faire ça. Parce que c'est vraiment de la merde. Faire 16 dégâts au tour 6, c'est ça. Oh la masse du butin, on va pas le voir comme ça. Parce qu'il va savoir que c'est un deck. Par contre, là, il va savoir que c'est un organe. Du coup, il va pas stresser. En fait, il rage parce qu'il a pas de TNC. Donc c'est cool. Ah putain, non. Ah bon, ça va, Max. Donc là, il va écrire dans le chat Worgen. Vous allez voir. 3, 2, 1. Ah bah, presque. Alors, on commence. 3, 2, 1. Worgen. Ouais, voilà. Ah, je savais. Oui, je le connais trop bien, ce gars-là. Je vais t'arrêter de côtoyer nous, vous voyez, je le connais trop. Alors, du coup, bah là, on va juste tuer le blocage. On va faire pièce exécution, ah non. Donc là on a déjà charge, range intérieur et saccagé. Donc il nous faudrait juste le Orven et puis on est bien. Un œuf de Nerubon, d'accord, on s'en bat les couilles. Ok les mecs, on a le combo. On a le combo tour 8 ou tour 10, enfin non tour 7 ou tour 9, parce qu'on a la pièce. Donc on peut faire 3 millions.
Mais le tourbillon, il aura beaucoup plus de... d'utilité dans les prochains tours. Parce que là, il va sortir beaucoup de créatures. Faut savoir aussi que dans ce deck, je joue deux bastons. Oh yes! Oh, franchement. Oh, oh là là, mais quel chronique, mec. Oh, oh là là, il pouvait pas jouer. Il pouvait pas. Ah non, franchement, on va lui dire merci. Merci. Oh la baston. Oh la baston, petite cochonne. Balayage. Il m'a fait rire, ce. Donc, non, tourbillon. Parce que baston aussi. Après. Alors, c'est des boucliers. Ouais, on peut être que ça, ouais, allez, tant qu'à faire. Hop, et là, on est bien, parce que... Alors, là, on va compter. On a, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc là, on a... Là, on va commencer, et on a... Là, 8, 8 et 8, 16. Faut vite que je reprenne les cours. Hein. 8 et 8, 16, mais ta gueule! 8 et 8, 16, plus 11, 22. Donc là, dans deux tours, s'il n'y a pas de provocation, on a... Mais what? Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai des mecs là, ce con? Voilà, de toute façon, on a gagné, si mes provocations. Elle fait un match shield, faut que la pousse. Ah non, c'est en français. Mon bouclier, pour Argus. Non, même pas. Allez, deux STP. Non. Dommage. Maîtrise du blocage. Pas mal. Ouais, il sent ça, ok. Et c'est tout? Mais sérieux? Pour la VG. Bien joué. Hop. Hop. Ça. Merde. Bon, on va peut-être faire dans le bon ordre, hein. Char, attaqué. Et voilà. Donc ça fait 2-1 pour moi. Donc on va se dire à plus pour cette vidéo, parce que c'est la fin quoi. Ça fait déjà 20 minutes ou même plus, je sais pas trop. Donc à plus pour la prochaine vidéo. C'est tout. Salut tout le monde, c'est Totei. Et on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, salut tout le monde.